Il y a un petit proverbe créole qui dit comme ça, l'argent fait chien danser. M'bat pense, petit proverbe ça t'ap capable appliquer ensemble avec moun qui te déclaré, y a mené yon bataille pour peuple là. Yo c'est avocat peuple là, yo c'est sénateur peuple là, yo c'est ministre peuple là. Journée jodi a là, mesdames et messieurs, pas de personne qui t'a capable penser que André Michel t'a sorti dans le fait que c'est Jimmy Cherizier alias Barbecue qui choisit Ariel pour Jovenel Moïse nommer à gouvernement PAM. Pas de rien pour ensemble avec groupe bandit. Ensemble, mesdames et messieurs, nous prenons des déclarations André Michel. Nous pas de penser si bagaille yo t'es capable de dérouler comme ça. Jodi a fait 16 mois depuis yo assassiné Jovenel. Qui est cap continuer mande justice pour lui? Puis nous voulons, mesdames et messieurs, nous avons un membre à Montana qui fait gros réunion hier 5 novembre 2022 sous situation actuelle pays d'Haïti. Côté président à Montana avec premier ministre, ils ont fait une déclaration ensemble avec moi. Nous prenons le temps des déclarations si là. C'est toute information avec divers slots qui prennent fait essentiel actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info Section Information Noir avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille ou à rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à Info 5 pour capable toujours être connecté à bon information. Je dis à nous tous qu'on est déjà, c'est lundi 7 novembre 2022. Nous disons ça. Il y a une bataille intérêt qui a fait. Une bataille politique qui a fait sous terrain là, c'est pas bataille qui piti. Yo dit si moun pa nan gendarme, et mes bataille ça, si pantalon pa nan tayou ou pas ka rentrer dans gendarme ça. Jodi a là, toute journée ou tande, André Michel a fait une déclaration. Ou tande Majorie Michel a tiré point. Ou tande, Nenel Kassi a répondu. Yuri la tortue a ramassé point, a revoyé point jeté. Est-ce que nous pensons que ce comportement ça qui pourra changer la situation pays d'Haïti? Est-ce que nous rêvons quoi que Chire Pizza que toute journée n'a pas organisé en bas de peuple, c'est lui-même qui pourra faire peuple, faire sa confiance ou du moins pas faire sa confiance. Peuple, à un moment, pense que il a assez intelligence après toute expérience ça yo que il fait, mesdames et messieurs, pour être capable de voir qui est ce qui est bon pour lui et qui est ce qui n'est pas bon pour lui. Donc ça veut dire ça qui entre Rosemi là avec moi et Jean-Charles là, son problème personnel que lié, son problème que nous pas fouiller pied nous la donne. Nous devons seulement porter réponse Rosemila, petit frère, là, pour en rentrer directement dans le développement Titio. Mais avant nous arriver dans la déclaration, Maître André Michel, là, mesdames et messieurs, il est vraiment important pour nous faire un rappel pour vous. Rappel ça qui est à ouais, ensemble avec Maître Mécène Jean-Louis. En suivre vidéo ça, ensemble avec moi. Après 4, 1, 2, là, excentré. Effectivement. 1, 2, 3, 4. Je suis Maître Joseph Mécène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir mon pays, pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Que Dieu veille sur la nation haïtienne. Faites à Port-au-Prince, ce 7 février 2021,
à 9h45 du soir. Maître Joseph Pessène Jean-Louis, juge à la Cour de cassation de la République d'Haïti. Un seul ratement. Tout à l'heure, il y a un deuxième plan. Il y a là, il faut regarder la caméra à plus. Il paraît à plus à plus. Vous fatiguez le fond digital. Eh ben oui. Vous le fond digital? Ah ben oui. Fais le fond digital. Ok, fond chute. Balle chaise. Là. Voilà. Nous parlons. 1, 2, 3, 4. Je suis Maître Joseph Messin de Jean-Louis, magistrat de carrière. Nous songeons à cette séquence vidéo, ça, pas vrai? L'André Michel a fait répétition ensemble avec Maître Messin Jean-Louis, comme quoi le plus ancien juge de la Cour de cassation t'a prêté serment comme président transitoire en le pays d'Haïti. Je vous dis à là, n'a posé cette question, qui côté Maître Messin Jean-Louis fait? Qui ça nous fait ensemble avec transition, ça, qui nous t'a prôné à là? Donc, nous, ouais, depuis qu'il est, moun sa yo commencé à passer nous dans bêtise. André Michel a été déclaré, pas de dialogue possible avec gouvernement PHTK, pas de dialogue possible ensemble avec président Jovenel Moïse. Donc là, faut que nous posions cette question, qui ça qui a passé dans pays à là? André Michel a été déclaré, Jovenel est un cadavre politique. Jovenel pas utile en rien. N'importe côté ou quoi avec ces vagabonds. Balio calotte, c'est l'avocat qui assume. Ok? Après ça, pour André Michel, t'es déclaré pour le dire qu'on que c'est pas de bagaille sérieux, t'as parlé. Là, t'es dit, Alba Jovenel Moïse calotte là. Al râler le palais national. Souffle-t-il en tant que yon petit vagabond qui pas utile en rien. Question m'a posé tête point, mesdames et messieurs. Comment André Michel fait sortir de ça devant la presse? Il y a qui dit que son gouvernement bicéphale. Il y a qui dit monocéphale. Bon, SDP même il dit bicéphale. Il y a qui dit que son conseil national de gouvernement. Bon, est-ce que c'est tricéphale pour lui? On va dire non, bataille. Pays a un contexte particulier. Tout ça, on va faire là pour avoir un accord politique pour faire parce que la Constitution n'a pas qu'à appliquer dans cette situation. Comment ça qui est important pour le peuple là? Ce n'est pas bicéphale, monocéphale, tricéphale, conseil national, 200 phales. Ce qui est important pour le peuple là, c'est la revendication du peuple là qui est un accord politique. Parce que SDP, c'est ça lié. Nous marier avec le peuple là. Nous dit, faut conférence nationale la fête, gros débat national ça. Faut discuter sous constitution. Et ça pour l'accord politique là pour nous, qui est important pour nous. L'accord politique ça, faut permettre que sécurité dans le pays. Comment arriver pour l'État avec sécurité dans le pays? Massacre la saline vers la cité soleil. Faut bagaille ça yo. L'accord politique là. Libération prisonnier politique. Petro Caribé. C'est ça qui est important pour le secteur démocratique et populaire. Pour la théorie, avec déclaration ça, que nous attendons journée jeudi à la. Maître André Michel déclarait, mesdames et messieurs, que sous gouvernement Jovenel Moïse là, c'était massacre sous massacre. Mais sous gouvernement pas là, pas de bagaille comme ça. Gagne gang à gang qui a goumé, seulement gagne dommages collatéraux. Oh André Michel. Ok? Sous gouvernement Jovenel Moïse, là, pour voir l'impardo, te gagné ça nous capable de relayer manifestation populaire. Mais là, c'est gang qui saisit. Mouvement ça. Mesdames et messieurs, m'a trop parlé en pile. M'a retiré, m'a coupé. M'a ba nous tende. Qui j'en ou tap déchiré André Michel, jeudi à la, sous télévision Caraïbe. Et nous pral tende déclaration André Michel. Prends ça nous, prends nous. Tendez bien, parce que c'est vraiment important. Maître André Michel, on dit que c'est héritage PHTK en matière de mauvaise gestion, en termes de sécurité qui baille nous niveau de gangstérisation que nous gagnons là. Et il y a un chef de gang qui soutient de dernière année, ça c'est Vite l'homme innocent dans Torcel. Monsieur, dans une déclaration, le fait, il dit que le qu'on a rencontré avec vous. Est-ce que. Et vous pensez, et les batailles importantes pour clarifier rencontre ça, avant vous faire bilan de gangstérisation et PHTK pendant 10 dernières années, ça? Belle question. Vite l'homme, innocent pour Valéa, moi pas jamais parlé avec Vite l'homme dans le téléphone un jour. Moi pas gain téléphone Vite l'homme.
pas un téléphone. Je n'ai pas jamais rencontré Vitelor bonjour. Ça me dit, moi-même, André Michel, je tout dit ça pour tout le monde. Je fais politique, je choisis de faire politique. Mon série d'activités, je n'ai jamais dans les noms là-dedans. Je n'ai jamais dans le monde, je n'ai jamais dans tous les mots. Je n'ai jamais dans l'assassin, je choisis l'un. Toute bataille politique, c'est avec bouche, je fais. Tout combat politique, c'est combat dialectique. Ça veut dire, on est capable toujours d'éviter l'homme, puis parler, puis lancer dans la radio. Mais moi, on n'est jamais capable de joindre côté un jour, moi, rencontrer, éviter l'homme, parler avec éviter l'homme dans le téléphone. Je n'ai pas de rapport avec le chef de gang. Je choisis faire droit, je suis avocat, je choisis faire politique, et je n'ai pas choisi rentrer dans le phénomène d'antitérisation. J'ai trouvé même mon adversaire politique, ma petite toute bête, ou pas jamais dans des hauts dômes dans la drogue, ou pas jamais dans des hauts dômes au moins dans le blanchiment, ou pas jamais dans des hauts dômes au moins dans la corruption, ou pas jamais dans des hauts dômes contre les gens. Je vais vous dire, c'est ça. Nous sommes qui clean et on bataille pour conserver une ligne de combat, une ligne de conduite. Parce que on ne pas sortir n'importe côté, on sait petit, on sait que paysan, maman, c'est ton marchand qui est carré. Ok, ça veut dire, on a pris preneur à vendre quincaille dans Bellance, dans Tiot, et c'est une raison qui fait bien avec le camp en pile, parce que quand on a fait commerce dans Kaïdi, papa, c'est ton entrepreneur agricole, papa, c'est ton vendre, papa, c'est ton plantéam, j'ai été élevé dans la dignité. Je ne sais pas si je suis en Bellance. Parce que je ne sais pas si je suis en Le jour où je suis rentré dans le bois, je suis tué cette fois. Le jour où je suis mon tueur, je suis tué cette fois. Je suis en Bellance. On est qui crime. On lui a dit, vite l'homme capable de commencer par les matins, midi, soir, si vous voulez le parler, mais jamais, il n'y a jamais un rapport avec voyou comme ça, avec directeur comme ça. Ce n'est pas seulement vite l'homme. Il n'y a jamais parlé avec aucun voyou, il n'y a jamais un rapport avec aucun chef de camp. Au sorti d'un peuple là, à un moment donné où tu es identifié comme avocat peuple là, donc je dis à nous très loin peuple là. Et si on a regardé réaction là et pendant tout le temps on a parlé avec vous là et c'est pas comme ça ça a été avant là nous a parlé d'un divorce, est-ce qu'on est conscient de ça ou qu'on divorce en tout même et peuple que ou t'as défendu à un certain moment? Je suis toujours le défenseur du peuple haïtien. Mais le combat politique le moment côté il y a des gens qui décident de divorcer avec la population. Il y a des gens qui choisissent peut-être André Michel, l'adversaire farouche. Si on a des attaques nous fait sous moi pendant les 15 derniers mois, depuis que je suis prendre une décision pour me signer à 11 septembre 2021 dans notre SDP, parce que nous estimons ces choix ça. Bon, si on a des quantités d'attaques qui fait sous moi, quand il y a des bagailles sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui fait 200 comptes Facebook pour attaquer, quelqu'un qui fait 500 comptes Facebook pour attaquer. Mais on pourrait se poser la question, qui ça André Michel fait? André Michel va jamais drogue, il va jamais doyer monde, André Michel va jamais occuper aucun poste dans l'État, André Michel va jamais corruption, André Michel va gagner l'argent. Mais qui ça fait? J'ai signé un accord politique. Nous avons signé l'accord du 11 septembre. 2021. Mais madame Michel, avocat de ton état. Qui donne finir ça, madame Alexandre, s'il vous plaît. Nous signons à COSA parce que pour nous, après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a l'autre champ pour participer, n'importe solution, c'est dans un accord politique, un dialogue. Aujourd'hui, et c'est très important, tout le monde qui se passe 15 mois à critiquer mieux, suivez mon regard, il y a tout aujourd'hui à rentrer dans le processus de dialogue-là. Parce que, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre option. Heureusement, vous pays, et ça fait que ce soit dans l'ONS. Vous êtes dialogue, que ce soit dans l'ONS. Que ce soit dans l'ONS. En face de Jovenel Moïse. Ça vient tout ça. Que ce soit dans l'ONS DP, que ce soit dans la commission dialogue en septembre, non, nous battons bravo. Le fait que, enfin, tout le monde comprend qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est le dialogue qui c'est la seule option. On dit, malgré tant de paroles dialogue. Même temps, face à Jovenel Moïse. C'est vrai? Face à Jovenel Moïse, je voulais attendre pour le dialogue. Parce que sous Jovenel Moïse, il y a eu le massacre de la Saline.
Sous Jovenel Moïse, ma fille. Et vous faites dialogue là avec Ariel Henry, sous Jovenel, où tu dis c'est barbecue qui t'est proposé. Donc Jovenel Moïse pas là, on comprend, mais Ariel Henry là, c'est pas barbecue qui t'est proposé, Jovenel Moïse dit. Qui est-ce qui t'a dit ça? Ou t'es fond déclaration comme ça, M. Michel? Non, mais j'en m'en Ma jambe pour nan ville, mon arrière. Mon arrière depuis 1999. Le fait que rentre dans la politique en tant que kid, parce que Ariel était dans le temps là. Ariel était dans l'espace de concertation. Il était leader, il était dirigeant, pas de co-dirigeant. Madame Jean me dit ça sur Ariel. Il était toujours une bonne relation personnelle avec Ariel comme médecin. Pendant toute période de bataille politique, nous, il y a des gens qui blessent, c'est quand Ariel nous mène. Madame Jean dit ça sur Ariel. Attention. Moi j'ai dit, alors pour me tourner sous Jovenel. Sous Jovenel, c'est un massacre la Saline. Sous Jovenel, c'est un Petro-Caribé. Et la Cour des comptes t'a dit, Jovenel Moïse lui-même participer dans le comme Petro-Caribé. Bon, même moi j'ai dit, et RDP t'a dit, un président qui n'a massacre la Saline, un président, la Cour des comptes établie qui n'a corruption, qui n'a volé comme Petro-Caribé, non pas Chita Abel, nous avons assumé cette position. Mais le 7 juillet 2021, nous avons notre cycle politique. Parce que ce président que nous combattions, président ça que nous avons combattu, il est mort assassiné et non pas d'accord. C'est triste, non? C'est vraiment triste. Là, nous avons songé André Michel qui sous béton, cap dit Jovenel Moïse, faut l'aller. Là, nous songeons André Michel qui t'a dit Ariel Henry pas gen bagage institutionnel, constitutionnel pour mettre un gouvernement sous pied. Là, nous songeons Ariel Henry qui t'a pris un braf. Là, nous songeons André Michel qui t'a salambé Ariel comme quoi c'est communauté internationale là qui était la cause li monté sous pouvoir. Je ne jodi à la même SDP ça qui t'a dit. Li pa t'ap siye pièce accord si pa gen yon conférence nationale. Si l'idée peuple, si bataille peuple, pa passe la donne. Kounya la, mais André Michel, mesdames et messieurs. André Michel, ça qui te déclaré, li poko jam kwaze avec Vite l'homme. Si toutefois, Vite l'homme ta non espace que lié, c'est que Vite l'homme ta participé dans une réunion que li même était là. Kounya ta de déclaration, André Michel. M'songe, Schiller lui dort. T'es dans Gazette Haïti. Mesdames et messieurs, côté Schiller lui dort, t'es déclaré que normalement, massacre la Saline, pas de gagne pour eux, ensemble avec président Jovenel Moïse. Massacre la Saline, pas de gagne pour eux, ensemble avec Martine Moïse. Mais, massacre la Saline, t'es gen tout bagay pour ouais ensemble avec opposition. Donc là, je ne jodi à la, mesdames et messieurs, pour nous tendez André Michel qui a dit que t'es gen un rapport qui t'est sorti, ok? Rapport ça qui t'est sorti ya, yo gen pour ouais ensemble avec massacre la Saline, c'est Jovenel Moïse, c'est pouvoir qui t'est en place là, qui t'est la cause gagné massacre si là. Mais sous Ariel Henry, c'est dommage collatéraux. Seulement gagné quelques moun qui mourit. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça. Parce que nous supposons rappeler nous. Je l'ai déjà dit à la, maintenant qui deux rangs nous prend. Maintenant qui salmanaza nous tombe en dans pays d'Haïti parce que moun sa yo pas ka respecter parole yo. Moun sa yo pas ka respecter promesse yo. André Michel, ou fait nous honte en pile. Puis devant nous gagner président Akon Montana avec premier ministre pays Montana, mesdames et messieurs, qui fait déclaration sous gouvernement Ariel Henry sous problème que pays d'Haïti a confronté ensemble avec moi en temps de déclaration Fritz Alphonse Jean ensemble avec Steven Benoît qui t'a négocié depuis l'année dernière pour même pour me pas déranger, nous sommes très disciplinés pour me pas déranger. Il y a 3 ou 4 monde qui étaient désignés pour aller faire négociation. Et c'est très difficile tout. Pour moi, je parler avec un premier ministre que je vais remplacer ou bien que je et que en pile monde dit c'est moi qui remplacer. Donc il y a un petit genre, peut-être qu'il y a un petit genre problème éthique même pour c'est même moi-même qui pourrais parler à Ariel Henry pour me dire Ariel Henry pour aller bon place ou. Donc dans Montana, nous t'es
désigner 3-4 personnes qui pour aller faire négociation. 9 mois plus tard, un pile de monde dans Montana, par contre, qui pourcentage, qui peut-être, j'ai un président qui a une petite frustration, bah, il n'y a pas aller trop vite, trop lent. Donc, président, et comme dans Montana, il est toujours dit, président, il doit parler tout, président, il doit négocier, il doit rencontrer les gens. Et moi-même, ça ne me fait pas bruit, depuis, il y a une entité qui invite, par exemple, nous avons plus fort, nous avons plus peut-être participé dans la question diplomatique là. Chaque délégation quand l'homme capable, parce que nous avons côté le téléphone pas sorti, mais le plus capable de rencontrer tout le monde qui m'a demandé rencontre. Et nous avons dit nous avons raté une rencontre, une rencontre entité Montana, que le KMT, que le KRN, que le plateforme société civile, que le plateforme politique, que le BSA. Comme je ne trouve qu'on est même toujours répondre présent et à l'heure à toutes les réunions que nous invitons. Mais dans la vie, il faut avoir une discipline, tout le monde n'a pas parler en même temps. Donc, comme il y a des gens qui parlent, président a parlé, PS a parlé, moi je préfère quitter le palais. Mais le pour me parler, à partir de là. Et, encore une fois, moi-même, position, nous connaissons ces positions de conviction. Et nous avons jamais une transition pour le marché. Et, nous avons proposé déjà depuis 3 ans, depuis 2 ans. Et pratiquement tout ça, nous avons dit dans la tête nationale pour la transition coupée fâchée. C'est eux-mêmes qui ont demandé. Ça fait moi-même, je ne vais pas hésiter une seconde à signer un accord Montana et je continue à appuyer un accord Montana. Parce que on dit clairement, à l'âge moi, je me lis en pile, c'est la meilleure proposition politique qui gagne en Haïti qui fait depuis ces dernières 50 dernières années. Donc moi, je crois dans l'accord Montana et je continue à appuyer, je continue à pousser. Bon, alors sénateur, malgré le monde, et la population justement retire Jean Lien dans misère, dans insécurité toute forme. Alors, qui ça fait marchandise là malgré nous fait accord Montana qui au d'ailleurs même qualifié c'est un plus bon accord. Oui. Qui fait aujourd'hui nous pour qu'on joue nos bails concrets pour population sortir dans ça. La population, c'est très intelligente, lui ouais que en face Montana grand équipe monde qui pas dans région pour fâcher qui n'a kebe régime criminel PHTK qui a 11 ans là qui pillé pays qui a déchet pillé pays qui je dis à 6 novembre dans hôtel Montana pour nous participer dans une journée de travail ça que moi-même Steven Benoît avec différentes entités qui dans Montana on a parlé de plateforme politique là on a parlé de KRN on a parlé de et forum société civile on a parlé de BSA qui là on a parlé de KNTA toute entité ça voilà pour nous discuter de l'avancée qui a fait en négociation et surtout proposition qui a fait en Montana pour nous voir comment que nous avons avancé avec toute turbulence qui est au niveau politique, au niveau social en pays parce que là, qu'on y a là, situation que nous vivons là est carrément intenable pour la population. Situation que nous vivons là, une situation extrêmement pénible au niveau économique. Nous avons gardé par exemple 500 employés qui perdent du job là dans Jamaica Borders, nous avons gardé une entreprise qui voulait 2000 personnes aller. Nous avons gardé le niveau prix produits premières nécessités, que ce soit du riz, poids, maïs, etc. Et malgré tout, pas oublier, pendant tout ça passé, le salaire minimum n'a pas augmenté pour ouvrir. Donc, nous, là, nous avons construit une pauvreté dans le pays, qui fait que la situation est extrêmement pénible, non seulement pour nous-mêmes qui sommes en Haïti, mais pour l'autre monde qui est dans la zone. On a parlé de monde qui est dans le Caraïbe, que ce soit la République dominicaine, que ce soit Bahamas, Turquie, Cross Miami, tout Haïtien. Courir quitter, majorité, jeune garçon, jeune femme, depuis qu'il y a une possibilité, courir quitter le pays. Donc c'est ça que nous avons. En même temps, la violence qui a fait au niveau pays, violence qui a fait la question du kidnapping, les gens qui a mouru, les gens qui peut sortir. Donc c'est ça que nous vivons comme situation, comme peuple qu'on y a là. Donc dans ce sens, nous sommes là, dans Montana, avec différentes idées, pour nous voir comment que nous avons avancé plus vite. Pour nous voir les difficultés qui viennent dans la question de négociation, comment que nous avons géré les difficultés pour nous passer par cela. Parce que le pays n'est pas capable encore. Surtout avec la question du kidnapping, la question de femmes qui ont violé, la question du viol collectif qui a violé dans le pays. Donc c'est ça, tout ça que nous venons discuter là. Nous venons discuter tout, différentes propositions qui sont faites en Montana. Par exemple, Dr. Bito qui l'avait nous fait une proposition pour dire que nous avons supposé redéfinir le type de et leadership pour qu'ils discutent sur les questions de négociation. Il y a un BAM qui font leur proposition. Nous pensons que là, c'est une bonne journée de travail que nous vivons là. Nous espérons la fin d'après-midi, nous arrivons à avancer les résolutions, mais même s'il n'y a pas de résolution, proposition qui fait, ça va supposé permettre que nous discutions différents éléments en différentes entités, instances qui sont dans le monde,
que ce soit Forum Politique, la plateforme Société Civile et leurs différentes institutions. Donc c'est pour ça que là, on attend des questions. Merci. Alors on parlait de, oui, de travail, M. Jean, alors l'information était plus question, c'est l'équipe Montana qui était questionné sur ensemble de rencontres que tu as fait. Est-ce que tu es mal informé ou bien? Alors, il y a été plus parlé de en sorte de questionnement pour être capable pour d'explication sur ensemble de rencontres que vous avez gagné avec deux monde soit dans le gouvernement ou bien bah, dans l'autre. Ah non, pas questionnement. Tu as besoin qu'on ait avancé qui en fait sur question de négociation parce que comme nous-mêmes, tu parlais de consensus. Consensus là, c'est pas avec entité qui est le Montana seulement. Consensus là, c'est avec différentes entités. Et d'ailleurs, documents que nous présentons, même si nous pas présenté tout documents que nous présentons, documents sont fruits de différentes discussions qui ont fait avec différents, que ce soit partis politiques, monde qui est de la société civile, monde qui est de secteur privé. Donc documents ça reflète sur les et apports et échanges que nous faisons avec différents monde qui est de la société. Là, qui niveau nous y est aujourd'hui pour accord Montana entrer en application. Nous avons toujours montré que nous l'ouvrons, nous prêts pour nous parler avec de l'autre secteur, pour nous essayer de joindre de l'autre consensus. Là, qui niveau que nous y est aujourd'hui? Bon, sur les nous-mêmes documents que nous présentons, sur les sont documents de consensus. C'est le niveau ça que nous y est. Maintenant, à partir de documents ça qui sont instruments de bataille, c'est documents ça que nous avons présentés, discuté avec différents autres mondes qui pas participé à la discussion, que ce soit avec international là tout, pour nous dire que nous-mêmes en de Montana, mais qui côté que nous y est. Donc, comme son discussion que nous avons fait avec des éléments qui en dehors de Montana, évidemment, il y a des mondes qui en de Montana qui participent à la discussion. Donc, si vous voulez, son reddition que nous venons faire là, du document ça, pour nous venir parler avec différentes entités, pour nous dire, mais qui ça que nous pensons, qui est un document potable, parce que le document ça reflétait, si vous voulez, toutes dispositions qui prennent en discussion. Et voilà, mesdames et messieurs. L'aime dit nous bagaille pas facile dans le pays d'Haïti. Nous avons pensé ces blagues m'a fait ou du moins juste envie de parler. Non. L'on a les qualités situation ça, ok? On la police nationale d'Haïti qui pas qu'à prendre responsabilité, au gouvernement qui pas qu'à prendre responsabilité, yon l'école qui pas qu'à l'ouvrir, qui a fait tipa, ok? Yon opposition qui pas connaît qui s'allie comme mission, qui pas connaît qui s'allie comme responsabilité. Yon justice qui inexistant, nous capables de comprendre, dans qui ça que le pays d'Haïti lui-même lui tombé. Aïe là, yon attaqué prison FIA encore. Donc, au bonjour comme ça, nous capables de rester, yon cassé prison encore. Jusqu'à présent, est-ce que nous connaissons qui ça qui t'est passé, qui quantité moun qui t'est échappé dans la prison, mesdames? Hein? Est-ce que nous connaissons des choses comme ça? Non, nous ne connaissons pas des choses comme ça. Qui donc là, voilà le bilan de ça qui a passé actuellement là, dans le pays d'Haïti, nous apneye. Pas de personne qui pour loger dans mes banou. Et cela nous débout avec information que je dis. À. Merci d'être vous like, commenter, partager. Merci d'être vous invité. Vos familles ou vos amis, abonnez à Info 5 pour capable de bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique. Ça reste béni et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.